Hare Krishna. Toujours au Krishna Balaram Mandir, bon accueil. Ce nom même bon accueil, nous avons accueilli les autres dans la cuisine Manson Veg. Aujourd'hui, nous la cuisine Manson Veg, ce qui nous peut présenter d'autres, nous peut présenter d'autres un brioche. Comment nous besoin faire brioche? Ça veut dire que nous avons la farine même, nous avons du sucre, la poudre de lait, du sel, couleur, levure et du beurre. Et bien sûr, nous avons de l'eau. Sans tarder, nous prenons nos levures, nous mettons dans nos la farine, nous mélangeons, nous mettons du sel, avec du sucre, nous mélangeons la poudre de lait et du beurre. Mélange-le bien sec, prends tout ça dans l'ingrédient là, mettre là-dedans, mélange-le. Et bien sûr, nous mettre sur couleur. Et couleur là, nous mettre bien un petit peu. Nous mettons tout ensemble, nous mélange-le. Right? Nous mélange-le comme ça, nous venons de mélange. Là, nous prenons de l'eau, nous pétrillons. Nous mettons de l'eau petit à petit, chigin chigin. Nous crase bien. Mélangez bien, crase bien. On continue craser. Là, nous pas fini. Là, nous mettons l'eau, nous la table, nous crase. Mais ça crase bien. Les besoins de la pâte assez molle. Les vins pareils comme la pâte du pain même. C'est bon. Il y a un peu plus raffiné. Crasez bien. Quand nous crasez comme ça bien, ça levure là, vous trouvez, il faut commencer à travailler là-dedans. Là, il fait monter bien. Voilà. Il paraît. Aster. Là, nous gardons dans un petit endroit chaud, laissez-le poser. Ce volume, il peut venir deux fois plus. Et nous mettons en 30 à 40 minutes, laissez-le poser. Après 30-40 minutes, nous venons guetter quand il est arrivé. Voilà, après nos 30 à 40 minutes, nous allons guetter la pâte brioche quand il est arrivé. Je peux trouver ce volume doublé. Il est plus gros, il est gonflé. Là, nous gagnons notre plateau. Nous passons un chicken de l'huile ou du beurre et nous graissons. Allez, premier, nous finissons graissons là. Nous posons à côté. Toujours nous besoin d'un petit peu la farine sec. Un petit peu la farine sec. Nous arrosons en bas. Là, nous tirons la pâte. Nous récrasons encore. Nous crasons encore bien. Là, nous pochons. Il dépend qui grosse, je t'en envie de faire. Right. Là, nous roulons, nous faisons gagner sur forme. Mettez-le là. Je peux trouver. Nous roulons. Nous pèsons, nous roulons, nous faisons un petit four. Vous trouvez, on a fait les boules comme ça, les mêmes pour aplatir tout à l'heure. Et voilà, je peux trouver mon gardi distance. Je ne vais pas mettre côté parce qu'il est pour grossir. Quand il est pour grossir, il est là tous les deux pour coller ensemble. Là, je mets distance, même qu'il est grossi, il n'est pas pour coller de son camarade. Et là, il n'est pas fini. Je peux passer un petit
comme si j'ai regardé un petit verni l'oli ferri vin plus joli quand les vous cuit là oh gain juste là pour gilet peine à disque non rien nous mettons un petit peu de l'eau là-dedans un petit peu de l'eau nous délayer ferri vin comme un petit condensé comme ça pareil quoi dire dans volume comme un petit condensé c'est ma sans disque. Right. Là, nous passons l'eau là comme ça. Il faut faire livrer une jolie petite couleur bien attirant. Et ça, là où vous trouvez mon faire livrer brioche. Et en simple affaire, vous avez un coco du sucre, vous remplissez là-dedans, vous fermez, vous roulez le rond pareil, livrez ma cacha coco. Bien, simple, vous pouvez faire livrer ma cacha coco tout. Right. Et ça brioche normal, surtout pour un petit déjeuner, tout ça là, l'immense même. Et puis il y en a tout, un frère chrétien, j'étais en première communion, on prend notre cabal pour y prendre notre brioche, notre même. Right. Là, si je prends notre brioche, notre même, je vais mettre ce la croix tout l'eau là. Je vais vous expliquer là, comment mettre la croix là. Nous l'aurons, parce que normal, je vais montrer un petit gâteau pour un indien, un Diwali. Je montre Nan pour un petit frère musulman. Je nous montre un petit brioche pour un petit frère chrétien aussi. Là, qui nous fait, moi dans la farine. Un petit peu de la farine. Je mets un petit peu de l'eau là-dedans. Je délaye. Je crase bien, pétrile. Voilà. Je crase. Un petit la pâte, juste de l'eau à la farine. Ah, ça, c'est ça. Je mets un petit gingiber, je vais mettre. Mais moi, je peux faire un petit façon, juste pour donner un petit idée. Top. Right? Je vais un rouleau pâtissier, c'est ce qui nous dit belle. Je vais belle olive plate. Right? And un joli petit épais, c'est pas trop épais, pas trop. Là, je coupe. Je en long comme ça. Right. Je tire. Je corrige bien. Je coupe en deux. Je pose l'eau là. Right. Après, je pose l'eau là. On trouve ça comment les vinyles là, un brioche. Là, vous pouvez, vous pensez, mettre ça dans un petit panier, allez, hein, pour première communion. C'est un net qui vous peut dire. Voilà. Ça dit trois pour chrétien, trois pour l'universel, ça en a trois tout du monde capable de prendre. Aïe là, nous pas mettre dans tout. Là, nous laissons les poser. Pour 20 minutes, nous laissons poser. Après 20 minutes, là, nous allons mettre au four. Toujours, nous allons nous four 10 minutes avant l'eau 180 degrés. Là, nous laissons poser. Après nous 20 minutes, nous revenons. Arrivé. Et voilà, après nous 20 minutes, là, nous revenons. Vous trouvez nos brioches, ce volume, il grossit, il double un petit peu. Petit à petit, la ligne doublée, grossie. La ligne paraît, à ce temps, nous mettons dans le four. Mais tout le temps, quand nous mettons dans le four, nous avons besoin de prendre précaution, pas mettre brut pour les baisser. Il y a une vloupe là légèrement. Voilà, nous mettons dans le four, les pour prendre. En 25 et 30 minutes. Mais toujours nous checkons. Après nous 20-25 minutes, là nous allons check un coup. Nous guettons un coup quand nous brillons in arrivé. Et bien sûr, nous pouvons trouver une pareil là. Voilà. Brillos top. Joli chez brillos. Il a quoi si pire à l'eau là. Et
Voilà, ça nous bouillons une pareille. Un petit bouillon bien fondant, bien joli tout, ce petit la quoi tout l'eau là. Mais moi pas connais qui s'en a sur premier communion et bouillon une pareille, est-ce qu'ils ont d'autres une pareille. Bon ingrédient pour brioche, 2 tasses la farine, 2 cuillères à café de levure, 2 cuillères à bouche du lait en poudre, demi-cuillère à café du sel, 1 cuillère à bouche du sucre, 1 cuillère à café colorant, 2 cuillères à bouche du beurre, un peu de l'eau. Méthode de cuisson pour brioche. Dans un grand bol, mélange la farine, levure, une pincée du sel, un petit peu du sucre et du lait en poudre. Incorpore du beurre, bien mélange à sec. Ajoute de l'eau petit à petit afin d'obtenir la pâte mou. Laisse la pâte reposer dans un endroit chaud pendant 30 à 40 minutes. Après temps de repos, pétris la pâte de nouveau. Coupe la pâte en petites sections et roulez pour gain forme bonne brioche. Place la pâte loin de plaque graissée qui a le four. Prépare la pâte épée avec du lait en poudre et de l'eau. Badigeonne du lait, l'eau bonne brioche. Prépare l'autre la pâte avec un peu la farine et de l'eau. Pétris bien. La pâte, la farine, aplatis ce dernier. Coupe la pâte de farine en longueur en forme ruban. Place bonne ruban de farine, l'eau bonne brioche en forme de croix. Laisse la pâte brioche reposer pour encore 20 minutes. Après 20 minutes, cuire la pâte brioche dans four qui finit préchauffer en avance et que laisse cuire pendant 20 à 25 minutes à 180 degrés. Et voilà, après nos brioches, là nous allons faire une salade à la marmite, une salade lissou à la marmite. Et salade lissou à la marmite, ce n'est pas difficile du tout, bien facile, n'est que étudier. Et qui nous prenons là-dedans? Nous prenons lissou même. Nous prenons poivron vert, poivron rouge, haricot tanne, carotte, coco, feuilles carry poulet, un feuille carry, et puis nous avons moutarde, du sel, du poivre, du citron, de l'huile. Sans nous tarder, nous allons nous commencer à couper nos lissous. Nous coupons nos lissous mince mince. Couplé mince mince et il y a une salade bien facile et bien bon aussi pour la santé aussi. Voilà, nous nous restons assez. Right. Là maintenant, nous coupons nos poivrons. Nous tirons sur la graine. Nous gagnons nos poivrons. Nous coupons mince mince. Voilà. Nous devons toujours mettre cette quantité qui est. Ça, l'issue là, nous devons dominer là-dedans. Nous devons dominer. Là, nous prenons poivron rouge. Nous avons nos poivrons rouges là. Right. Nous avons nos haricots aussi. Nous coupons nos haricots en dés. Après, nous faisons les en dés comme ça. Voilà. Nous coupons les comme ça. C'est bien facile et c'est bien bon pour la santé. Voilà. Coupé comme ça. Et en dés. Voilà, nous gagnons assez. Là, et puis nous prenons coco, même là-dedans, nous prenons carotte aussi là-dedans. Nos carottes, nous nettoyons. Voilà. Nous lavons nos carottes, là, nous plissons. Nous tirons ça là, nous tirons ça la tête là. Nous tirons dedans. Et puis nous coupons plate, plate. Pas couplé trop mince, trop grossi. Right. Et puis, nous couplé mince en long. Et voilà, nous gagnons cette quantité.
Et maintenant, là, nous avons coco, nous râpons nos coco. Toujours nous rappeler dans ma petite chose moyen. Là, nous arrivons, nous gagnons nos quantités. Right. Là, vous trouvez, tous nos légumes finis, coupés, bien installés. Là, nous mettons nos carailles, si vous faites un poêlon, une marmite. C'est ce qu'ils appellent ça salade dissous à la marmite. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas le cuire dans la marmite, ça. Right. Nous mettons de l'huile. Voilà, tous nos bons ingrédients, tous les divans nous-mêmes, nous finissons de préparer. Nous mettons un petit marmite, c'est un petit poêlon, une marmite, c'est ce qu'ils appellent ça salade à la marmite. Et premier, nous mettons moutarde. Right. Nous mettons curry poulet. Et piment. Et puis nous mettre ça dessous là-dedans. Carotte. Voilà. Mélangez bien et il peut gagner un bon parfum. Ça va faire moutarde avec sa frais carré poulet et grillé dans sa belle là. Right. Nous mettons haricots et puis poivron rouge, vert tous les deux. Du sel. Et puis du poivre. Nous mélangeons bien. Et ça, bien sûr, il n'y a pas besoin cuit, on dirait cuit net, il besoin cuit. Et puis, on arrose du citron. On va mettre coco râpé, et nous mélanger. Et là, nous t'en fait l'infini pareil. Là, Asterno le présente dans nos plats. Une jolie petite salade. Bien sûr, il n'y a pas un curry, ça, mais il y a une salade. Ça nous accompagne avec différents menus. Nous avons du riz curry. Nous pouvons faire une salade comme ça en compagnie. Comment il paraît bien joli. Et pour la santé, tout est bon même. Et voilà, ça nous salade dissous à la marmite, dit bien facile. Et tout presque cram cram là-dedans, pas laisser cuire net. Là, il vient un curry, là, laisser cuire, là, il vient une salade. Mais alseilis, vous avez comment il pour bien bon pour la santé. Pour salade de chou à la marmite, 2 tasses de chou émincé, demi-poivron vert, demi-poivron rouge, une carotte, 5 à 6 haricots verts, une cuillère à bouche la graine moutarde, demi-cuillère à café du poivre en poudre. Une branche carré poulet. Une quart tasse noix de coco râpée. 3 cuillères à bouche jus de citron. 2 cuillères à bouche de l'huile. Un piment sec. Du sel selon votre goût. Salade de chou à la marmite, émince le chou, coupe poivron vert et poivron rouge en bâtonnets, coupe haricots en deux, coupe carottes en bâtonnets. Dernier, râpe noix de coco, chauffe une marmite, arrose un filet de l'huile, roussis la graine moutarde, fait carré poulet, piment. Incorpore le chou et carottes coupées. Mélange bien qu'ensuite, bande les autres ingrédients comme haricots, poivron rouge,
Ek ver, salé et poivré selon votre goût. Ban légumes bisa demi-cuit. Finalement, un rejus de citron, noix de coco râpée, mélange délicatement et servir aussitôt. Et voilà, après ça, des recettes là, comme nous l'habitude, nous avons présenté un zis. Là, aujourd'hui, nous allons présenter un zis, l'amande. Mon déjà fait une infusion avec l'amande dans le passé. Là, je peux faire une autre qualité de l'amande. Et là-dedans, nous prenons un zis citron. Nous avons du sel, nous avons du sucre, nous avons l'amande même. Et l'amande, ça zis là, ce bénéfice, c'est quoi? Pour gastro-entérique, c'est un divin qui a un gastro, il est capable de boire ça. Et il peut soulager, il peut refaire avec ça. Et l'amande, c'est tout pour gaz, pour gaz. Et bien sûr, pour l'équerre aussi, il est bien bon. Et ça, il y a une limonade qui nous peut faire. En tout cas, prendre comme un plaisir aussi. Et en même temps, pour la santé aussi. Pour l'équerre, il est bien bon. Et guette comment nous pouvons faire ça? On prend de l'eau. Le café est glacé. Nous prenons de l'eau glacée. Je prends la menthe, fais la menthe, je finis de nettoyer. Je mets dans blender. Je vide le citron, limon, dans sa blender là. Un petit pincé de sel là-dedans. Et bien sûr, si vous avez ça, cala la moque, ça vient du sucre rose là. Ça, c'est bon. Ça, et nous avons du sucre aussi. Du sucre, toujours, comme je dis, c'est optionnel, comme je dis. Content et si je parle mettre du sucre ça lui dépend d'autre right. Là nous mettons lui nous ferme lui ça vient dans du citron feuille la menthe du sel avec du sucre nous rouler et voilà. On met un petit pipe là-dedans. Nous garnis il y avait toujours avec un petit feuille la menthe là-haut. Et si je te l'ai encore pour rendre pour un arrière, soit pour un goût supérieur encore, je te grille un petit gintilani, je te capable arrose l'eau là, je te bois ça. Top même au pédiaou. Gaz envolé même. Jus de menthe, 4 tasses de l'eau, 1 tasse feuille la menthe, 4 cuillères à bouche jus de citron, demi-cuillère café du sel, du sucre et quelques cubes de glaçons. Pour jus de menthe, ajoute un petit peu de l'eau glacée dans un mixeur, ajoute ensuite feuille de menthe, pincée du sel, du sucre selon votre goût et jus de citron mixé et servi bien frais. Et voilà, nous arrivons à la fin de nos émissions. Aujourd'hui, nous nous présentons un brioche. Une salade lissou à la marmite et nous terminons avec un zis la menthe. Et surtout, ça zis la menthe là, il est bon pour la gastro-entérique, pour gaz et pour l'équerre aussi. Je vous remercie beaucoup. Hare Krishna.